Tu sais que l'orgueil est un signe de destruction dangereux qui tue les destinées. L'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est avoir une espèce de surestime de soi. Une survaleur de soi. Se voir au-dessus des autres. Avoir une attitude méprisante vis-à-vis des gens. Tu ne t'en rends pas compte de ça, mais ça peut tuer ta vie. Tout ce qui va t'arriver demain, n'accuse pas Satan. N'accuse pas Satan. Regarde ce que tu fais. Surtout comment tu parles. Tu viens, tu parles à ton père, tu parles à ta mère, tu méprises comme ça. Mon ami, fais attention. Les hommes sécurisent leurs relations au détriment de leur éternité. Ils préfèrent protéger, préserver leurs relations, mais ils savent qu'ils auront un enfer. Si ma femme m'embêtait, je te dis, on serait séparés. Il y a des gens qu'on a bénis, c'est-à-dire qu'ils ne méritaient pas d'être bénis, mais à cause de leur langage. Dans leur langage, une expression d'humilité s'est manifestée. On l'a aidé. La courtoisie, la politesse, bonjour. Aujourd'hui, regardez nos jeunes enfants. Impoli, plus. Tu vois un grand, tu salues un grand, tu es assis. Tu vois un grand, tu salues un grand, tu as la casquette. Un grand. Tu tutoies les grands, oui, tu. Mais tu te tues quand tu tutoies les grands. Tout commence par ce que tu dis. Alléluia. Amen, amen. Dans la Bible, quand Dieu a créé l'univers, Genèse chapitre 1, verset 3, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, paf, et la lumière fut. Nous, en tant que parents, nous devions avoir une culture de bénédiction permanente sur nos enfants. Nous devions dire à nos enfants, tu réussiras, tu te marieras, tu enfanteras. Je déclare sur ta vie, en tant qu'autorité principale, personne, aucun membre de ma famille ne pourra t'arrêter. Aucun lien de sang ne pourra t'arrêter. En tant que parent, durant mon vivant, et même après ma vie, je déclare que tu sois protégé, préservé, sécurisé, prospérisé. Je déclare sur ta vie, il faut le faire. Dieu ne franchit, il ne traverse pas les étapes. Il va étape par étape. Mon ami, il y a des choses, chaque chose en son temps. Et je prends le temps et je suis le chronos de Dieu. Je sais que je sais que je sais que Dieu ne ment pas. Ah, ne dis pas Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie jamais. Il n'est pas un homme pour oublier. Fais bien ce que tu dois faire. Viens à l'église consciencieusement. Viens à l'église diligemment. Offre-toi dans le culte entièrement.